Ce samedi, nous parlons d'abord hein, de Open Mic. Justement, vous savez que sur cette émission, nous faisons la promotion du live, du semi-live, de la voix, bien évidemment. Et les artistes qui passent par ici ont pour coutume, bien évidemment, de se prêter à cet exercice-là, de nous donner de la voix par ici. Joe Calibre, qui est un habitué de cette émission, nous parle aujourd'hui de Open Mic, justement. Il va nous en dire davantage, Joe Calibre. Bienvenue. Salut Stan, Salut, comment ça va? ça va? Merci pour l'invitation, ça va C'est super. un plaisir toutes les fois hein, où nous parlons quand même de la culture béninoise, de la voix, des talents et nous y sommes C'est cela. bien évidemment. Déjà, Open Mic vise un objectif bien précis, c'est lequel déjà? C'est cela. Open Mic, déjà, c'est créé pour permettre aux artistes de pouvoir se faire découvrir, aux artistes talentueux de pouvoir se faire découvrir, de permettre aux artistes qui n'ont pas forcément la chance d'être sur des scènes, de pouvoir avoir l'opportunité d'avoir des scènes de bonne facture et montrer au public présent. Et de la même manière aux acteurs du show business, leurs talents, histoire que certains du showbiz puissent dénicher des talents en fait. C'est ça. C'est bien cela, Parce ouais. que nous savons que les talents à la base, il faut les promouvoir, C'est les cela, c'est dénicher. cela, Et c'est les cela. grands noms de la musique béninoise et africaine aujourd'hui ont pris par Par un ce genre chemin, de, oui. par ces Ouais. gens de créneaux. Oui. Bien évidemment, Open Mic se tient de façon mensuelle, c'est bien cela. C'est cela. On organise Open Mic tous les derniers vendredis du mois et c'est itinérant. Voilà. Donc on se déplace de lieu en lieu. Et là, actuellement, on essaie de faire ça avec la COVID. Vous savez, on a commencé il y a 4 mois de cela. Donc on était en plein cœur de la COVID là. Mais on a essayé de se dire, OK, déjà en temps normal, il y a difficilement d'événements pour les jeunes artistes. Et après, avec la COVID, il n'y a quasiment plus d'événements du tout. Alors il fallait se réadapter. Nous en avons parlé ici plusieurs Oui, fois. tout à fait. Donc on s'est dit, on va organiser le truc pourvu qu'on soit moins de 50. C'est le plus important. Donc Est-ce que vous y êtes arrivé? oui, nous essayons parce que déjà, au départ, c'était plus simple pour nous. On n'avait pas de pression parce que quand on organise un événement, on se dit qu'il faut qu'il y ait du monde. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On organise ça dans un restaurant. Dans la haie vive, on sait que de toutes les façons, il y a déjà les clients du Qui sont restaurant là, et c'est les ça. artistes invitent quelques amis, donc on essaie de respecter les mesures barrières et nous avons tenu le premier événement. Il y avait Logozo, Faux Logozo, qui était le parrain du premier événement. Et ensuite, on s'est rendu compte que ça a marché, les artistes ont apprécié, les jeunes artistes surtout ont apprécié. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a relancé un deuxième événement. On a remarqué que ça tenait bien, les gens aimaient, les artistes, on découvrait des artistes extraordinaires, des petits, mais qui avaient beaucoup de talent, Des talents qui étaient qui cachés. étaient cachés et qui écrivaient de beaux textes, mais qui, on sentait qu'il leur fallait monter sur scène un certain nombre de fois Il leur pour fallait un pouvoir, espace c'est ça, d'expression d'expression. de leur talent. C'est cela. Donc, avec le partenaire du groupe Empire qui nous a soutenus, on s'est dit, OK, on va partir de Open Mic simple à Open Mic Academy. Donc, c'est devenu une académie avec 1 million à la clé pour un gagnant. Donc, chaque mois, c'est juste une compétition. Les artistes viennent avec leur propre production, produite par des beatmakers, des producteurs d'ici. Je tiens vraiment à cela parce qu'on ne fera pas la promotion des instrumentaux, C'est des ça beatmakers. qui viennent d'ailleurs. Voilà. Il Donc, faut accompagner les nôtres, c'est cela. Donc, il naturellement. faut, quel qu'en soit le genre de musique que vous faites, si c'est une musique téléchargée, il n'y a pas de open mic. En tout cas, pas de compétition pour vous. C'est pour vous, c'est ça. D'accord? Et donc, pour nous, on récupère les artistes qui veulent, ils s'inscrivent, c'est ouvert à tout le À tout monde, le monde. tous les gens musicaux, ils participent, nous on fait une certaine sélection, et après on les fait travailler avec des musiciens. Mais quel est le jury justement qui s'occupe de faire la sélection? Est-ce qu'il n'y a pas de clientélisme? On sait quand même que dans notre pays, pour ces gens de d'organisation, on dit, bon, c'est mon grand frère qui coiffe le jury, voilà, il va essayer de regarder dedans. Joe Calibre, quelle part d'impartialité y a-t-il dans cette organisation? Déjà, c'est l'équipe de Open Mic qui fait la sélection, la présélection des artistes. Mais jusqu'aujourd'hui, pour être franc avec vous, on n'a jamais eu besoin de faire de sélection. Je vous Pourquoi? explique.
Les artistes, comme on le dit dans les Saintes Écritures, il y a beaucoup d'appelés D'appeler et et peu peu d'élus. d'élus. Les artistes, ils viennent quand on lance la promotion, on lance les inscriptions, ils viennent à par centaines. Ils s'inscrivent. Dès qu'on leur donne les critères, automatiquement ça réduit tout seul et on se retrouve avec ceux qui sont vraiment prêts. Et on n'a pas choisi. Ceux-là, ils participent simplement. Simplement, On c'est a, on a, nous, on ne se dérange même pas, en fait. Donc les critères en eux-mêmes sont quand même éliminent déjà Déjà, certains. voilà, donc on peut savoir le bon grain de livrer. De Donc, livres. le plus important pour nous, c'est quoi? C'est déjà que l'artiste ait une chanson à lui. Donc, un instrumental composé par un Béninois. Béninois, oui. Et pour avoir la preuve que l'instrumental a été composé par un Béninois, on veut l'instrumental sans la batterie. Donc, quand on n'a pas les percussions, si vous êtes capable de nous ramener l'instrumental sans la batterie, ça veut dire que vous pouvez contacter le producteur, C'est ça. celui qui a composé l'instrumental. Donc, ces règles-là, ça élimine. Certains font ça jusqu'à cette étape-là, et après, on donne la réunion pour rencontrer les artistes, et ils ne viennent pas à l'heure ou ils ne viennent pas du tout. C'est ça. Vous me connaissez avec la C'est ponctualité. ça, Si oui. vous ne venez pas à l'heure, je considère que vous n'êtes pas encore prêt. Et Revenez la prochaine la fois. prochaine fois, d'accord. En plateau, nous avons quand même un talent que vous C'est avez pu cela, dénicher c'est le cela. mois passé, Le mois dernier, c'est celui qui cela. s'en est sorti gagnant. Difficilement, mais oui. D'accord. Cher ami, bonsoir. Bonsoir à vous. Comment ça va? Ça va très bien, ça. Ça va bien. Présentez-vous déjà, on vous Moi, appelle comment? c'est Philippe Agoton, a.k.a. Mr. Phelps, l'argent des parents. Ah, d'accord. C'est le nom d'artiste Ouais, Mr. déjà? Phelps, ouais. Ah, d'accord. Vous parlez anglais? Ah, oui, je parle anglais, évidemment. Monsieur, vous avez dit Mister quoi déjà? Mr. Phelps. Ah, ça signifie quoi? Au fait, je m'appelle Philippe, donc j'ai façonné ça à ma manière, en fait. D'accord. C'est après l'organisation que tu es devenu Mister. Non, 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 pas du Ok, tout. c'était déjà C'était ça. bien avant. Alors, raconte-nous un peu l'aventure, comment ça a été, les débuts jusqu'à cette étape. Ok, bon, vous parlez de la compétition. Oui, Ok, naturellement. donc je m'étais inscrit. Bon, il y a un ami à moi qui m'a envoyé les informations sur la compétition. Et j'ai pas hésité tout de suite, je me suis inscrit. J'ai contacté le staff de la compétition. Et j'ai rempli les conditions qui m'étaient imposées. Envoyer l'instru sans la batterie, avec les mélodies et tout et tout. Et le jour de bon, il y avait des. On faisait des répétitions, évidemment. On faisait des répétitions avec le batteur pour apprendre les marques, tout et tout. Et le jour de la compétition, bon, voilà quoi. J'ai fait ce qu'il y avait à faire, j'ai tout donné. Et j'étais ex aequo avec un de mes collègues, on était ex aequo. Et c'est le parrain de la soirée qui est venu de partager Kemptad. Et voilà, j'ai été le grand gagnant de la C'est soirée. ça. Et ça fait plaisir hein, quand Ah, on ça s'en fait sort comme plaisir, ça. ça fait vraiment plaisir. Et depuis lors, comment est-ce qu'on te voit dans le quartier, dans l'entourage? C'est une star que nous avons désormais, c'est ça? c'est une étoile montante. Comment tu arrives à gérer tout ça? Bon, je fais de mon mieux, mes parents ne sont pas contre, ils sont d'accord. Donc je fais ma musique, je fais mes cours, C'est ça. je fais l'informatique et télécommunication. Donc j'arrive à faire la part des choses en fait. Vous savez qu'on a la passion pour la musique, C'est ça. on ne se met pas des limites quoi, voilà. Et ta carrière envisagée, c'est dans la musique ou bien dans autre chose? On verra avec le temps. On verra avec le temps. J'aimerais bien faire dans la musique. Si ça paye, je le fais. Je le Ah, fais si ça d'abord par paye, passion. D'abord hein? par passion, bien évidemment. C'est ça. Mais si ça peut me donner à manger, c'est Bon, parfait. faut demander à Joe Calib, lui, il est Ah, dedans Joe depuis Calib. plusieurs années, donc il saura te dire comment s'y prendre Ouais, naturellement. je lui demanderai quand même. C'est ça. Avant de partir, on va te tester par rapport à ta voix, parce que c'est surtout ça. Joe Calib, Oui. qu'as-tu envie de dire? Parce qu'en tout cas, dans l'expressivité, il est quand même très à l'aise, c'est déjà un pas. Je ne sais pas si dans la voix, il va peut-être Mal, mal. donner quelque chose. Alors, on aurait pu être là également avec Ivan, Oui, c'est cela. qui était membre, non? Non, C'est il est ça? le parrain Du prochain du prochain. Du prochain Ouais, c'est Prime, ça. Le d'accord. prochain Prime aura lieu le 30 prochain, le vendredi de la De semaine la semaine à prochaine, venir là. d'accord. Bon, Et peut-être après ça, on peut recevoir Ivan bien toujours hein, sûr, par bien sûr, ici. bien sûr. Ivan, qui je le rappelle, est un artiste, il n'est plus à présenter. Bien sûr, bien Voilà, sûr. donc Ivan Pouyé Souhé, exactement, c'est c'est cela. ça. En fait,
On s'est dit qu'il fallait qu'on aille chercher un parrain pour élargir un peu les horizons. Et effectivement, le fait que Ivan ait publié sur sa page qu'il était le parrain de Open Mic, ça nous a permis d'avoir des artistes de d'autres bords musicaux, des Naturellement, chanteurs et c'est ainsi de ça. suite. Sinon, avant, on avait beaucoup trop de rappeurs. Alors que nous, on veut faire la promotion de la musique en En général. général, C'est c'est cela. ça. Donc, on va dire la spécificité de cette émission, de cette excusez-moi, de je parle d'émission, Oui, bon, la de spécificité, l'événement, ouais, la de cet compétition. événement, de cette compétition, c'est surtout que l'artiste est élu le jour-là. C'est pour cela qu'il dit qu'il est arrivé ex aequo. L'artiste est élu par vote du public. Donc, pour nous, l'artiste doit pouvoir conquérir son public. Il peut être talentueux et ne pas pouvoir conquérir le Tout public. à fait. Là, vraiment, ce n'est plus vraiment nous de notre faute. Là, nous, on a besoin d'artistes talentueux. Nous, on essaie de faire une présélection, si on peut, d'artistes talentueux et que le public choisisse qui a gagné ce jour-là. Et donc, il y a la voix du public et celle du parrain. Donc, le parrain, en regardant parmi les artistes, se dit, ah, j'aurais préféré plutôt que ce soit celui-ci ou celui-là. Donc on s'est retrouvé ce jour-là pour vous dire que nous étions 50 sur le lieu. C'est qu'on s'est retrouvé avec 20 d'un côté et 20 de l'autre. Et il fallait départager. Et le parrain, qui est Kemptan, a eu du mal. Mais Mais il a 50, quand choisi. vous avez 20, 20, ça fait 40, il reste Oui, 10. il reste, oui, les membres de l'équipe. Ok, Les membres de l'équipe. d'accord. L'équipe qui travaille. Qui travaille, Ouais, c'est justement. cela. Donc, vous D'accord. voyez, on essaie de respecter quand même Exactement, de respecter. C'est en tout cas très intéressant. Cher ami, fredonne-nous quelque chose, fais-nous du a cappella très le. rapidement. Ok. Je peux t'imposer un morceau, non? Là, c'est moi maintenant le juge. Ah oui, mais je vous ai vu, vous savez. Mais c'est ça, oui, c'est ça. Parce qu'il s'était déjà préparé, il a son morceau en tête. Non, ça marche pas comme ça. Ici, je suis le jury, donc voilà. Quel morceau je vais choisir maintenant pour le coller un peu? Bon, je ne sais pas, je ne vois Bah, pas. surtout nous on fait la promotion de la créativité. Oui, de la Donc créativité, donc il ne devait pas être gêné, non? oui, mais Ah c'est non. à lui de créer le morceau. Ah bon, C'est bon cela. d'accord. Vas-y, vas-y, on t'écoute. Je suis venu pour récupérer tout ce qui me revient de droit. Il n'y a pas de capitaine dans un bateau, baron des barons, je fais la loi. Tu me connais pas, mon dissipé est monumental. Si tu peux pas gérer sur du local, je suis général et toi t'es caporal. Je suis en cuisine pour les cuisiner, je me donne à fond pour les déchirer. Faudrait méditer avant de m'attaquer, tous mes ennemis j'en ferai de la purée. Je connais pas la rue mais ma tête est remplie de vis. Les jolies poutanes à moi je les sers et en dessert je bouffe tes viscères. Hey, tu peux faire des efforts, manque de respect je te fous dans le décor. Comme un poussin dans ma main tu picores, je bosse tes mains la sueur sur mon corps. Faut pas t'amuser, je veux pas rigoler, en deux trois mouvements tu te feras gauler. L'esprit est doré, fleur en or, j'ai la nausée, le game plus le troll, Phelps. Wow, bon, j'avoue que c'est pas mal, c'est pas mal. Effectivement. Je comprends qu'il a pour vocation de faire du rap, c'est C'est ça. cela, c'est cela. Le rap Il est prédomine plus, c'est ça, c'est ça, dans son style dans son musical. style C'est musical. cela. D'accord, c'est bon, tu as de l'avenir, Merci. bravo, et beaucoup de courage. Et comme on le dit, le succès c'est permanent, hein. C'est un effort quotidien. Il ne faut pas dormir sur tes lauriers et dire que c'est fini. Non, c'est maintenant que le plus gros challenge commence. Il faut continuer le travail. Voilà. Il y a des femmes qui te veulent déjà. Il y en a assez. Ah, il y en a assez, hein? Oh là Alors là, là. décidément. Ah, d'accord. Il y en a Bien. assez. Déjà, d'accord. Déjà, c'est. Faut faire attention. En tout cas, C'est ça, c'est certaines ça. années pourront te dire. Ah oui, hein. Dieu calibre, merci beaucoup. On n'a pas Merci, assez de merci à temps. vous. Je vous promets qu'on reviendra sur ça, peut-être avec Ivan aussi C'est et cela. d'autres personnes C'est cela. pour toujours parler de cette compétition. On a connu a cappella, hein, récemment, vous savez Oui, ce que bien sûr, c'est bien devenu. Ça a sûr. bien commencé, après c'est devenu ce que c'est devenu. On y reviendra certainement. Oui. Nous, nous essayons quand même de faire en sorte de pouvoir tenir le plus longtemps possible. C'est pas C'est ça. évident, c'est vraiment pas évident. Il faut avoir des partenaires, mais surtout, nous, nous essayons de faire les choses dans les mesures du C'est possible, ça. autant qu'on le peut, avec nos moyens, en essayant de rassembler le maximum de partenaires possible
Et derrière, on espère pouvoir tenir longtemps. C'est ça. Allez, bon courage à vous, cher Merci. Zabi. On va Merci, marquer Ryan. la transition musicale. C'est un jeune artiste, hein, que je vais recevoir dans un court instant. À tout de suite.